Bonjour tout le monde, donc on est toujours avec nos cours d'arabe et exactement la grammaire arabe. Alors précédemment on a vu nahnu et son indication. L'une des indications de nahnu, nahnu peut s'utiliser pour les hommes et aussi pour les femmes en effet. Imaginez que vous avez trois étudiantes. Donc on a vu pour deux étudiantes. Pour deux étudiantes, ce qu'on appelle pour deux personnes, que ça soit par exemple étudiante, médecin, ingénieur, ce que vous voulez, deux femmes, deux hommes, on a ce qu'on appelle la forme duelle. On va voir ici ce qu'on va voir exactement, c'est. Parce que entre nous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cours de grammaire exactement. On est arrivé à oui, exactement ici. Donc nahnu. Alors, pour le nahnu, ça s'utilise pour quelqu'un qui parle, c'est-à-dire al-mutakallim, celui qui parle. Donc quand je dis al-mutakallim, donc exactement ici c'est mou, ok mou. Donc ça c'est mou, le sens de lecture c'est ça. El mou. Da. Ka. Li. Donc il faut un petit peu comprimer le lam. El mutakalli. Mou. Voilà. Donc, si on veut vocaliser, on va dire L, mou, ta, ka. Si je dis ça, c'est que je vais dire kalimou. Mais pour comprimer, on utilise ashadda, c'est-à-dire on dit al-mutakallimou. Voilà. Alors, nahnu. Nahnu. Imaginez que vous avez trois étudiantes. Et ces trois étudiantes, ils veulent vous dire qu'ils sont des étudiantes. Vous avez trois étudiantes et ils ont envie de vous dire qu'ils sont des étudiantes. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, ils vont dire nahnu, ils vont parler de ils vont dire nahnu. Mais par contre, on va dire ici tali. Batun. Rassurez-vous que avec le temps, à force d'entendre les mots, vous n'allez des fois vous n'êtes vous ne c'est-à-dire vous n'aurez même pas le besoin d'avoir les règles devant vous, à force de voir les mots. C'est-à-dire que, entre nous, vous les assimilez, vous les apprenez. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la règle qui vous dit, eh bien, pour la forme plurielle, vous ajoutez ça, ou quelque chose, ou cette autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est, ça, c'est la forme plurielle, des fois. Bon, si vous voulez savoir les règles, c'est pas un problème. Mais quand même avec les règles, des fois,
On sent ça, on a l'intuition que le pluriel d'un certain mot est une chose. Ben, vous êtes français, vous pouvez le sentir parce que vous n'avez jamais, c'est-à-dire avant, vous avez appris la langue quand vous étiez enfant. C'est pas à l'école, ça c'est sûr. Mais quand on vous disait par exemple le pluriel d'un certain mot, un mot que vous avez déjà entendu, bien sûr, vous connaissez ça intuitivement sans même utiliser la règle. Eh bien, ça s'applique pour toutes les langues. Alors, ad-damir, où est ici ad-damir? Eh bien, dans ce cas-là, ad-damir huwa nahnu. Ad-damir huwa nahnu. Ce que je viens de dire, Ad-Damir, c'est Nahnu. Il indique qui, c'est-à-dire Dalalatuhu. Pour l'instant, ce qui m'intéresse pour moi, c'est de comprendre ce Nahnu et pas de savoir ce que Dalalatuhu veut dire ou autre chose. Nahnu Dalalatuhu Talibatun. C'est-à-dire que ce Nahnu, il est utilisé pour. Ce pour talibatun. Naw'uhu, le type de ce nahnu, eh bien, damir al-mutakallim, parce que ces trois étudiantes, ce sont trois étudiantes, et ils parlent d'elles-mêmes. Naw'uhu, on va dire damir al-mutakallim. Voilà. Donc, ce nahnu, on a vu précédemment que ce nahnu, dans la part qui précède, qu'il est utilisé pour le pluriel masculin. Là, on a trois étudiantes qui sont féminins, donc on constate que ça peut aussi être utilisé pour le féminin. Donc on va dire que c'est pour le pluriel. Quand je dis pour, j'utilise l'il jamais. Donc, quand j'écris al jamais, on va écrire al jamais. Al jamais, sa traduction, c'est le pluriel. Le pluriel. Si par exemple je supprime ce l, il faut supprimer le. Donc, jamais, c'est pluriel. Si je dis le pluriel, il faut ajouter al jamais. Mais quand je dis l'il jamais, il faut dire pour le pluriel. Donc, ce lit, ça veut dire pour. L'il jamais, al-mu'annath. Donc là, je dis pour le pluriel féminin. Talibat. Donc ce talibat, il s'agit d'un jamais. Mu'annath, c'est-à-dire pluriel féminin. Eh bien, ce nahnu yadullu, comme on a dit, ala al-mutakallim. Il indique al-mutakallim, c'est-à-dire ces trois étudiantes. Alors après, on va voir un petit résumé pour ce qui concerne cela, pour ce qui concerne bon, ce qu'on a déjà vu.